Bonjour. Ouais, bon, vous arrêtez de me critiquer, hein. C'est pas de ma faute si mon skin est mal détouré et je possède pas de jambes. Alors oui, déjà je réponds, je suis chaud à une question dès le début, une oppresse à Mister Fliban qui me pose, fais une FAQ avec une facecam. Je peux pas. Déjà, pour l'unique raison que je peux pas faire une facecam, c'est parce que ma PlayStation Caméra, vous voyez le petit truc là qui permet de filmer quand t'es en live avec la PlayStation, eh ben il est pété. Ouais. Du coup, je peux pas. De toute façon, c'est pas ça qui va m'arrêter en tout cas pour cette vidéo. Du coup, c'est pas grave. On va quand même faire la FAQ. Du coup, let's go. Hey les gens, et Taxtronaut, c'est Emile. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. On se fait hyper plaisir de faire cette petite vidéo en compagnie de vous les gens. Et aujourd'hui, on se trouve sur Minecraft. Non, je déconne bien sûr. On est aujourd'hui pour la petite FAQ. Oui. Vous l'attendez vraiment depuis longtemps d'ailleurs. Déjà, je tenais à vous dire un grand merci à tous ceux qui ont pu me poser des questions pour la FAQ. Ça fait super plaisir. Et une fois de plus, désolé si votre commentaire ne passe pas dans cette vidéo. J'ai pas pris tout le monde, mais j'ai essayé de mon mieux. Ouais, on fait comme ça. Du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la première question de Mr. Fliopoc qui nous dit, tu préfères quoi? Minecraft ou Fortnite? Si je devrais vraiment choisir soit un des deux, je dirais plus Minecraft parce que Fortnite on fait vraiment vite fait le tour. C'est toujours en finale la même chose, sauf on a des mises à jour où ça change la map, etc. Mais bon, sauf que Minecraft, ça existe depuis très très longtemps et à chaque fois ça se renouvelle quoi, ça change à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour, mais il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'en fait on s'ennuie jamais dessus. Et sinon, quel est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré où je m'inspire le plus, par exemple au niveau montage, etc. C'est Fuse. Et mon youtubeur vraiment préféré, bon il y en a qui vont me dire que je suis un kikou, mais c'est Squeezie. Voilà. Du coup, on va passer à la prochaine question de Younsk frère des Gaming qui nous dit pourquoi ta chaîne est composée de Minecraft. Bah parce que c'est l'un de mes jeux que je fais le plus sur ma chaîne et de toute façon c'est ce jeu que j'aime entre guillemets ouais le plus. Du coup voilà. Du coup, prochaine question de Strike. Que prévois-tu de faire pour la suite de ta chaîne? Idée de vidéo, etc. Alors, en idée de vidéo, je vais toujours rester sur du Minecraft. Sinon, j'ai pas grand chose. Sauf, je prévois un truc pour plus tard. Mais ça reste un petit peu secret. Mais sinon, voilà. Quand créas-tu ton serveur Discord? Mon serveur Discord, je le créerai, je sais pas quand. Et c'est pas vraiment une question, si tu veux que je te fasse des musiques exclusivement pour ta chaîne, genre musique électronique, relax ou pour mettre sur tes vidéos, dis-moi-le et je pourrais te le faire exclusivement pour toi. Encore GG pour les 5000 abonnés, bientôt le million. Non, je déconne, mais continue comme ça, tu vas atteindre les 10 000 abonnés. Franchement, merci à toi. Et pour bah, les musiques, il n'y a pas de problème, si tu veux m'en faire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Du coup, ensuite, prochaine question de Lucas qui nous dit, quel est ton plus gros projet? Mon plus gros projet, ça serait d'organiser pour ma chaîne YouTube un vlog en Angleterre vers décembre, novembre, vers par là. Mais niveau, par exemple, budget, tout ça, ce qu'il faut, c'est pas ce que j'ai. Du coup, je sais pas comment je devrais me débrouiller au niveau ça, mais je vais essayer. Ça serait un petit vlog en Angleterre. Je vous mettrai de toute façon l'image de l'Angleterre et je vous mettrai un petit cercle rouge pour vous montrer entre guillemets où je vais être, peut-être. Et sinon, quel est ton prochain projet? Bah, j'en ai pas. Et comptes-tu faire d'autres vidéos Fortnite? Pas spécialement, mais peut-être des Minecraft versus Fortnite ou des Fortnite in Minecraft ou de ce style-là. Sinon, j'adore, continue comme ça. Bye bye. Ensuite, question de Ozan qui nous dit, comptes-tu dépasser un jour les 100 000 abonnés? Sinon, bientôt les 5 000, presque la moitié des 10 000. Alors, si un jour je compte dépasser les 100 000, bah, de toute façon, c'est à ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube et je l'espère un jour hein, qu'on puisse atteindre les 100 000. Et sinon, bientôt les 5 000, bah, je les ai déjà et presque la moitié des 10 000, oui, exactement.
Ensuite, du coup, prochaine question de The AK-47 Val qui nous dit: félicitations Emile pour ce parcours qui commence enfin son aventure. Bientôt les 5000 abonnés. C'est un chiffre énorme car c'est quand même 5000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne pour ta personnalité et ton contenu. Au passage, tu as prévu de réaliser une FAQ, pas de souci. Je vais te poser des questions même si c'est vrai qu'on se parle presque quelquefois en partie vocale. Du coup, pour ta première question, en ce moment, ça fait quoi d'avoir 5000 abonnés sur ta chaîne? Bah, 5000 abonnés à avoir sur ma chaîne, c'est... C'est juste un gros chiffre, c'est énorme, quoi. Je sais même pas comment décrire ça au final. Numéro 2. Mais sinon, vas-tu continuer Minecraft avec la communauté maudite en ce moment même? Je dirais peut-être pas maudite, parce qu'il y a quand même une partie de la communauté qui sont pas maudites. Mais sinon, franchement, oui, je vais rester parce que je suis venu dedans et je vais y rester un minimum. Je vais pas aller peut-être sur PC, je sais pas. On sait jamais si je vais aller un jour sur PC, mais enfin bref. Troisième question. Idée pour toi, vas-tu aller à la Paris Games Week ou faire une convention pour ta communauté? Je sais pas, mais je pense la Paris Games Week que oui, je vais y aller, mais je peux pas vous dire quand. Et niveau budget, je pense que c'est pas trop ça. Je peux pas. En fait, je sais pas. Si j'ai le budget, je peux y aller, mais si j'ai pas le budget, je pourrais pas y aller malheureusement. Et quatrième et dernière question. Là, t'as prévu de faire quoi prochainement sur ta chaîne? Prochainement, ce qui va arriver, comme je l'avais dit à une précédente question, c'est qu'il y aura un vlog en Angleterre vers novembre ou décembre, vers par là. Et par contre, comme j'ai dit, niveau budget, bah c'est pas ça quoi. Au passage, si tu avais pas remarqué, j'ai posé 15 questions, soit 4 lettres par question à ton nom. Ah oui, effectivement. Ça fait plaisir en tout cas, franchement, merci à toi. Ensuite, pour la prochaine question de The Nexio, Team Minecraft ou Fortnite? Bah, Team Minecraft. Alors du coup, prochaine question de Homer Mine 2.0 qui nous dit: tu as rigolé à cette blague alors? Déjà, tu me dis ça? J'ai même pas eu le temps de lire ta blague. Non, plus sérieusement. Alors, c'est un couple qui veut faire vroom vroom et ne pas réveiller pour ne pas réveiller le petit frère qui dort en dessous. C'est un lit superposé. Elle dit: tomate pour moins fort et courgette pour plus fort. Ce soir, ils font vroom vroom et le petit frère se réveille et dit: arrêtez de faire du sandwich et de la mayonnaise me tombe dessus. Tu as rigolé? Non. Ta gueule! Ensuite, question de Mini Zanka qui me dit: pourquoi tu as commencé YouTube? Bah parce que j'aime bien faire des montages vidéo et j'aimais bien surtout regarder les YouTubeurs qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'envie de faire des vidéos, bien sûr. Ensuite, prochaine question de Mister Fliban qui nous dit: question pour toi, comptes-tu faire du GTA, Far Cry, Destiny ou autre? En tout cas, merci mec, je te kiffe. Alors non, je pense pas faire les jeux que tu m'as cités là, je resterai toujours sur du Minecraft. Du coup, prochaine question de Aronis qui nous dit: trop bien, avec quel matériel tu filmes? Je filme avec ma PlayStation 4 et pourquoi tu as voulu faire YouTube? Sinon, continue comme ça, tu pars à la Paris Games Swish cette année. Oui, je pars à la Paris Games Swish. Swish. Sandwich. Ensuite, question de Deshawn qui nous dit: quel est le premier jeu que tu as découvert? Alors, sans déconner, le premier jeu que j'ai découvert, je crois, c'était sur PlayStation. Hein? Je sais plus c'est quel jeu, mais je sais que c'était une sorte de tortue qui faisait des parcours, je sais même plus. Si jamais je retrouve une image, parce que je crois que chez moi j'ai encore les vieux CD de PlayStation 1, et bah je vous afficherai peut-être une image à droite ou à gauche du jeu. Je sais pas, si elle s'affiche pas, c'est que je l'ai plus, mais sinon c'est pas grave. Quel est le premier jeu que tu as adoré? Et bah sans vous mentir, c'est Minecraft quand j'ai découvert pour la première fois YouTube. Ouais, quand j'étais chaud sur le PC de mon père. Et dernière question pour cette FAQ de Waka. Ouais, Waka. Trop bien la vidéo. Question: pourquoi tu as voulu avoir une chaîne YouTube? Dans quel but? Bah, pour avoir un maximum de fric. Et quelle a été la plus grande fierté moment de ta chaîne? Alors, c'est la plus grande fierté que j'ai eue, en gros, quand j'étais content sur ma chaîne, c'est que quand j'ai passé les 1000 abonnés en plein live et qu'il y a eu 3 youtubeurs, ça je m'en souviendrai toujours, il y a eu Mister Big Ben, Irose et Vic qui sont venus sur mon live pour me féliciter. Ça, c'était juste génial. Du coup voilà, je pense que maintenant cette FAQ touche à sa fin. En tout cas, merci à tous ceux qui ont pu me poser des questions bah, pour cette FAQ. Franchement, ça fait super plaisir. Et puis nous, bah, je pense qu'on va se quitter là. J'avais vraiment rien d'autre
d'autres choses à dire. À part que dans plus beaucoup de temps, là, je fais un maximum de vidéos spécialement pour vous. Dans pas très longtemps, je vais partir en vacances. Ouais, de partir en vacances. Et du coup, je serai obligé soit peut-être de faire une pause ou pas de faire une pause. Mais pour vous dire que je vais partir en vacances, du coup, je souhaite à tout le monde de bonnes vacances, etc., etc. Du coup, on se dit à demain ou à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était Emile. Et ciao, ciao! Allez, bye les gens. Petit message de fin en vous disant que oui, comme j'avais précisé vite fait dans ma vidéo, je vais partir en vacances. Du coup, bonnes vacances!